Voilà, c'est lundi, le jour de la semaine que je préfère. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Par contre, si je survis au lundi, je peux survivre à tout et n'importe quoi. Ça, c'est peut-être pas vrai non plus, mais bon, c'est comme ça que je ressens. Alors, une réflexion intéressante là, parce que je travaille sur une commande. C'est probablement une des dernières commandes que j'ai fait et que je vais faire, et surtout une des dernières de ce type. C'est une commande, une sorte de portrait de famille. Et c'est intéressant, je me disais, parce que même si je suis passée un peu à autre chose pour un niveau de thème, technique, etc. Donc là, je reviens un peu en arrière, entre guillemets, pour ce qui concerne l'utilisation de l'huile, notamment pour les visages, etc. Et en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est une belle surprise parce que, comme quoi, même quand on revient un peu sous des choses qu'on a déjà fait et qu'on n'a plus, peut-être, comment dire, c'est pas qu'on n'a plus envie de les faire, mais en gros, voilà, on est passé à autre chose, on voudrait poursuivre d'autres chemins. Mais quand même, on revient en arrière, entre guillemets, avec quelque chose de nouveau et qui peut encore révéler des choses intéressantes. Voilà, il y a une sorte de aller-retour qui, à la fin, c'est sympa. Et dans le point de vue de le mélange des techniques pour ce qui me concerne, et aussi pour le fait de travailler sur, voilà, sur certains thèmes. Voilà, c'était la réflexion du jour. Cramé là, c'est-à-dire que des fois travailler la nuit et ne pas récupérer le matin si tout dort mal pour quelques raisons, ça peut être un peu fatigant. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai ma tisane, mon white spirit pour les encres que je suis en train d'utiliser, un encre. Il faut vraiment que je bois pas le mauvais. Je rigole, mais c'est pas ça pourrait arriver. Bref, j'y retourne. Le printemps prend sa place, enfin, c'est agréable après la nuit. Voilà, j'ai un beau paysage là.
tableau cette semaine sur, comment dire, quelque part la célébration de la tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que la tristesse et la colère aussi, en fait, hein, c'est deux émotions qui je connais, comme tout le monde, et qui me sont quelque part, je dirais, chères, que j'aimerais, que j'essaie d'apprivoiser, en fait. C'est pas que j'aime être triste ou en colère, mais c'est des émotions qui, ça m'interloque toujours comment elles sont tout le temps rejetées. Et c'est valable pour les enfants, mais pas seulement pour les enfants, au contraire, comment souvent on est, comment dire, on nous empêche de les exprimer. On essaye de les cacher, on s'habitue à les cacher et pourtant elles sont toujours là. Elles sont toujours là et elles ont besoin de s'exprimer. Elles ont besoin de s'exprimer et seulement une fois qu'ils se seront exprimés, en fait, elles pourront laisser place à autre chose par la suite. Donc, dans les dernières années, surtout en ayant des enfants, mais pas seulement, comment dire, pour mes propres réflexions aussi. J'ai quelque part appris en découvrant des choses que j'avais oubliées, en découvrant des choses que j'avais quelque part essayé de cacher aussi. J'ai commencé à essayer de les apprivoiser, les accepter et les exprimer sans faire semblant qu'ils n'existent pas. Et ce tableau en particulier, j'ai voulu quelque part célébrer ça. Avec l'image de la mère et de l'enfant, parce que c'est un peu, comment dire, une représentation de où c'est qu'il faudrait qu'on soit le plus sûr de pouvoir les exprimer, où on espère qu'ils seront acceptés. Or, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on est tous fils et parents de la même société, quelque part. Et pourtant, voilà, c'est un peu un rappel, quelque part, c'est un rappel au fait que la tristesse aussi et la colère, ils ont bien le droit d'exister. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'ici, parler de mon travail, des émotions, de ma démarche et de ma vie, donc que j'aime bien partager avec vous. Je vous invite à vous inscrire sur la newsletter, à la newsletter. Donc vous cherchez mon joyalbano.com, c'est très facile de trouver le lien. Vous le trouvez en bas de cette vidéo, dans la partie description. Et donc, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Je médite de faire quelque chose en anglais et en italien aussi. Mais bon, déjà, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog en français. Allez, ciao!